Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro où nous allons encore réfléchir sur la République démocratique du Congo. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier tout le monde qui s'abonne parce que vous abonner, partager nos émissions, c'est la forme. C'est ça votre contribution et vos cadeaux que vous me donnez. Ça m'encourage beaucoup lorsque je vois qu'il y a eu beaucoup de gens, par exemple, cette semaine qui se sont abonnés. Et ça nous fait vraiment du bien, ça donne de la crédibilité à notre chaîne, à notre émission. Si vous la partagez, si vous abonnez, si vous n'êtes pas abonné, ça nous fait du bien. Et ça nous donne ce courage-là de continuer à faire le travail ici, même de l'améliorer, parce que nous savons qu'il y a des gens qui nous suivent. Je voudrais aussi annoncer à nos frères qui sont au CAP, qui m'attendaient ce week-end, que ça ne sera plus possible à ce que je puisse venir ce week-end. Le programme a été reporté pour l'année prochaine, donc dans la première quinzaine du mois de janvier. Ça n'a pas été possible vu la charge horaire de ce que nous faisons ici et la préparation de ce projet que nous lançons au mois de mars-avril de l'année prochaine. Donc ce n'est qu'une partie remise. Tous les programmes, tout ce dont nous devrons voir à Cape Town sont déjà avertis. Nous avions envoyé un mail. Et je crois que ceux qui nous attendaient le samedi, nous ne serons plus là, mais ce n'est qu'une partie remise. Alors, une autre précision sur mes absences, parce que beaucoup de gens aussi continuent à me poser la question, mais Germain, il fallait commencer à faire tous les jours. Je suis en train d'intervenir quelque part dans d'autres émissions ou bien dans un autre programme pendant que je suis absent sur Contact Pro Live. Ce n'est pas que je vous fouille, non. Je suis en train de préparer un truc avec d'autres amis sur un projet. Je commencerai à vraiment en parler au début de l'année 2022. Donc, ne vous en faites pas, c'est quelque chose qui sera très bien. Et je crois que beaucoup de gens trouveront satisfaction. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons discuter encore une fois de plus sur la situation et les commentaires de beaucoup de gens sur les réseaux. Nous allons discuter sur les commentaires parce que les questions que vous me posez, moi je ne suis pas un analyste politique ou bien quoi que c'est, disons, un journaliste de news, non. Non, de l'actualité, je ne commente pas l'actualité. Moi, je réfléchis sur comment pouvons-nous sortir notre pays dans ce gouffre-ci. Nous avons tant dénoncé, beaucoup de gens dénoncent, oh, ça les macaté. Non, nous parlons des solutions. C'est pour cela que nous disons, ce qu'on lingi koyoka solution, ok, landa kabiso. Mais ce que vous pensez que non, moi je commencerai à venir ici dénoncer. Non, les dénonciations que moi je fais, je les corrole pour appuyer la solution dont j'apporte. Solution nangai et yebani naeb na lobela kango. Mais c'est ça donc que nous allons parler effectivement. Il y a ba commentaire nabino et puis résumé. Il y a discours à président de la République. Parce que je vous avais promis l'autre fois que notre Kosala résumé pour que tu clôturer chapitre wana. Biloko nyonso eza comme la kisabiso que solution na biso ezo stand kaka. Eza kaka la voie obligée. Alors, nous allons parler des commentaires et à discours à président de la République. Mais avant tout, prenons les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet d'aujourd'hui. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Kinshasa abritera du 22 au 23 décembre la conférence des gouverneurs. Et puis Kinshasa toujours, les femmes d'exception chez Félix Tshisekedi.
Nous sommes toujours là. Voici les cinq caciques qui ont détruit le FCC de Joseph Kabila, selon AG Matemo. On va sur actualité.cd. Meurtre des experts de l'ONU, le magistrat militaire Maurice Lianza cité comme ayant manipulé le prévenu Vincent Manga contre le colonel Mambweni, avocat. RDC, la fin du 13e épidémie d'Ebola. Congo profond. Tshisekedi ce vendredi au sommet Turquie-Afrique et puis Lutundula au chevet des Congolais maltraités à Addis Abeba. 7 sur 7. Là, nous avons toujours la conférence de gouverneurs. Et puis, Béni, l'armée appelle la population à accepter la coalition FARDC-UPDF pour éradiquer les ADF. Lualaba, une structure créée pour accompagner la vision du chef de l'État. On va terminer avec la radio Okapi. Maniema, 23 établissements universitaires fermés. Ituri, ONG Justice plus juge inopportun de réclamer le départ de la MONUSCO. Merci de nous avoir suivis. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Bandeko. D'abord, je voudrais remercier aussi, avant que je n'oublie, Bandeko Nabiso O Bazana Boutembo. Batio Tebebiko Boutembo, Nabat Bebiko Isiro, surtout ma média Zenyet Nabo en partenariat avec Biko Boutembo, na Benyebiko Isiro, na Beni. Tout qu'on a programme, moi, tout qu'on tunafanya, je crois que musicalement, ma réponse à ma Yamanani Yote, Mindazituma, en un clin, disons, mon mamel. Je vais vous répondre vraiment, mon mamel. Kuko ma vie, tu viens, mon lignandikia, nilibipata biote. Il m'a donné yote mulinipatia nilibipata yote en tout cas sans problème ma document ziko zitafika kwenye tinapashwa enda. Ça c'était le message des gens qui sont dans l'est de la République démocratique du Congo. OK. On commence où? Nous allons commencer par intervention ya confrère Moko, donc un journaliste. Vraiment un journaliste qui est à Kinshasa. Nalanda Kae Mingi, nous sommes des amis sur Facebook. Et puis, vraiment, ses réflexions, ma réflexion n'est à la cabine. Et puis, c'est comme ça que je me suis dit. Donc, autant les réflexions n'aient sur le discours du président de la République. Parce que Nakati Awa, il y a des choses. Oyo, ngai na fustigé, donc naza d'accord na été. Et ça peine à Babylon comme sous ou à lobby. Et c'est à partir de ça, bino moko boko trouvé ma réponse. Na ba question ou boza kotin angaï, ou tindelingaï, na ba WhatsApp, na ba Facebook même, na Twitter. Et puis botuningaï, qu'est-ce que je pense de ce discours? Je vous en avais déjà dit que non, il y avait des choses que moi-même je me disais que biloko yo eza malamouté. Alors, lisons d'abord et. Au fur et à mesure, nakobanda ko la Sabino place oyo nga na nanani na sepeli na ete o alobi mabe ngai na corriger selon ce que vous aviez posé comme question ba point de vue na ngai. A intitulé ki message na ebo Félix Tshisekedi n'est pas une alternative crédible pour sortir la RDC du gouffre. D'abord dans le titre, j'ai dit que non. Pour l'instant Bandeko, tomiko sate, soki to lingi ko bima na eloko oyo, Félix nde il faut to conscientiser, azwa babiloko, amen, akende na dans le bon direction, qu'il révolutionne, a la mouka place a zali. Mboka na biso zisengeli, tozana besoin à Félix Tshisekedi pour l'instant, tozana besoin à ba élection te. C'est pour cela que je dis que non, il est la personne la mieux indiquée. Pour que to bimisa Congo na gouffre. Mais est-ce qu'il est conscient? Aza consciente. Ponani naza consciente na yeb sa kibino déjà que non. Tshisekedi est déjà recruté. Mais il a encore le temps. C'est pour cela. Aza na nouna. Aza neti moutou. Aza neti moutou alali. Tobika ke toko la mouka. Mais. Et ça 18, et ça déjà 6 heures du matin, il fallait au Lamouka, au Lamoukité.
Ozo continue kolala. À un certain moment, Félix Tshisekedi va se réveiller, mais ça risque d'être trop tard pour lui. Ça risque d'être trop tard. Se réveiller à l'heure, ce n'est pas que zéro ou quoi que ce soit. Tu te réveilles lorsqu'il fait jour. Et il fait déjà jour pour que tu aies la conscience y a qu'on relève Congo Nabiso. Et la personne la mieux indiquée, c'est Félix Tshisekedi pour l'instant, parce qu'il est à la tête. Il peut initier le changement que le Congolais veut, ou bien le pays en a besoin. Il peut initier ce changement-là. C'est pour cela que je n'étais pas d'accord avec Patrick ici quand il dit, ici je dis, Félix Tshisekedi n'est pas une alternative crédible. Alors, son texte n'a pas dit Sikoyo, c'est l'avis de la majorité des Congolais. Après presque 3 ans de gestion chaotique du pays, plusieurs actes de gestion chaotique, plusieurs actes de nomination ont largement contribué à la promotion du népotisme et du tribalisme. Ça sera honnête de dire au peuple que l'état de siège décrété dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri est un échec. De ce fait, une réévaluation s'impose. Le programme 100 jours est-il et gelou censé procéder à la réhabilitation des infrastructures routières non abouti qu'à l'enrichissement illicite des caciques. La gratuité de l'enseignement lancée dans leur plus grande réputation continue à patiner dans la boue. Moins de 10% des Congolais ont accès à l'eau et à l'électricité de qualité. Ça sera juste de reconnaître que l'État a été incapable de protéger les Congolais contre l'escroquerie MyGold Rêve, Umoja et Durham. Malgré les dénonciations faites par le président lui-même, le président de la République, faisant état de la mafia au sein de l'armée et de la justice, aucun effort n'est fourni jusque-là pour améliorer ces choses. Après presque 3 ans au pouvoir, aucun programme de la relance de l'économie n'a été initié. Près de 120 voyages qui ont coûté des millions de dollars au trésor public, alors qu'il n'a fait le tour de, il n'a pas fait le tour du pays pour parler les doigts des réalités du Congo profond. Ce qui a salé en haut, à Kokende ko promettre, promesse au Yazako réalisé, ça ne servirait à rien à Kokende ko tambola kuna. Donc, étant donné que la gouvernance actuelle de la RDC sous le régime Tshilegelu a prouvé ses limites, plusieurs observateurs s'accordent que la seule chose que Félix Tshisekedi puisse faire est de ne pas se présenter comme candidat à la propre succession à l'élection présidentielle du 2023 pour donner la chance au pays de Patrice Emery Lumumba de repartir sur des solutions, de nouvelles bases. Na lingina bandela na suka awa. Félix Tshisekedi a commis une grosse erreur en demandant un deuxième mandat. Ezalaki erreur munene yangonde mutu ekotisi biso na ba incompréhension na côté a Seni kuna. En principe, il devrait se taire et travailler à prouver et que le Congolais tango akomona misala ezo sale ma misala sali. Bakoukai Kopé, ça est deuxième mandat sans problème. Mais déjà dans le début, même sans que attaque nani et bandité, ma réforme à Seni et bandité, il avait déjà commencé à demander le deuxième mandat. C'est là où tout a été biaisé. On a qu'à parenthèse, pourquoi la Seni ne peut. Pourquoi on ne peut pas avoir une Seni indépendante aujourd'hui? C'est parce que Félix avait déjà même annoncé qu'il sera candidat à sa propre succession pendant que le travail sur le terrain, comme Patrick l'a dit ici, Ezaki Komonanate. Je vais vous donner l'exemple typique Yamutu Oyo, à Salaki Manda Liboso, Manda Mi Baleba, peuple Yemokwa Lobito Kovote et Okaka, au continuer Kosala Moussala. Regardez ce qui se passait en Tanzanie avec Mangoufouli. Manda Liboso Kaka Boua Beti 5 sur 5. Babilo Konyon Soaloba qui a kosala zo sala yango kaka. On lui a donné le deuxième mandat.
peuple à l'élie, donc peuple à l'élie. Le peuple voit, ma misalande pèse à mandat solo. Mais, aujourd'hui, pourquoi Patrick a dit que Aza mieux, Aza président Oyo, Aza indiqué te pour Abimisabiso na gouffre. Pourquoi? C'est parce que Tshisekedi n'a pas une vision claire. Tshisekedi est compétent et à cause à la président. Il n'est pas un visionnaire. Il ne peut pas entrer dans le cercle fermé des révolutionnaires. Thomas Sankara, banani, grand président, il n'a pas cette carrure-là. Ata Vimba Boye. Non. Capacité intellectuelle à Tshisekedi est athée. Il est balloté. Il a été recruté. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il n'y a pas une vision claire. Yakoloba que non. Na telemeli awa. Oyonde na eko sala. Avant na kende, il faut na sala A, B, C, D. Président zo kende au gré de vagues, au gré de nouvelles. Ba projet nyo soane koko ki sa mate. Parce que moutou oya za ko dirige ye, moutou oya a kangiye. Assis à comprendre que tu sais que tu as dit que non, que tu as dit que tu as investisseur na Russie, le lobby faut aller na Russie, à côté de la Russie, parce que c'est comme ça qu'il vit. So, Moutounini en gros, tu as besoin pour dire à Patrick, Moutounini, bah, Congolais, parmi les Congolais aujourd'hui, en tout cas, je ne vois parmi tous ces politiciens. Bon, excusez-moi. Ezala Katumbi, ezala Fayulu, ezala Mboussa, ezala Nani, ezala parmi naba tunabiso awa. En tout cas, je ne vois pas quelqu'un qui a cet idéal ya koloba ke non. Ba idéal nanga ya Congo yango. C'est comme ça que je ferais si j'ai le pouvoir. Pourquoi on a se fustiger dans le but que non, Tshisekedi est le mieux placé aujourd'hui. N'importe quel président qui sera au pouvoir dans cette na casting Oyo, Oyo nanani na constitution Oyo, Oyo za ko pesa ye tous les pouvoirs. Oyo toza ko benga mokonzinde nzambe na biso. Sa parole n'est jamais contredit. Regardez, dès qu'il a fait, il a la majorité au Parlement, ça, bango nyonso tout bakomi ba caporal na ye. Le Parlement, le Sénat, la Cour constitutionnelle, biloko nyonso koki ko contredire Tshisekedi te. Et c'est là le mal, parce que Tshisekedi n'a pas une vision, il est maintenant caporalisé. Batu o baza simanae bakoki ko balote na ndenge nyonso. Il n'a pas un idéal. Félix n'a pas un idéal, c'est ça le mal. Et là c'est là où je dis que na Patrick a raison. Mais na sens ya koloba akolamuka. Tango akolamuka e koki ko zala pe trop tard to si to balaye. Mais muto ya koya sima akolunga akakangisa ye. Si ce n'est pas aussi quelqu'un qui est recruté par le même lobbying, oh, ils ont recruté, oh, tu sais que des années Kati. Le président, le next président, président Nabiso Oyakoya, ce qui a zaka kanaka na lingomba oyo, ba Félix Bazana Kati, et qu'on a la paix pas si pour tout un changement. C'est pour cela que je dis, si Félix a l'obaki a kotia mutu na eba kata, c'est le moment à koloba ke non. Nazwa protection côté à peuple, au lieu nazwa protection côté à Monguna Oyo, aza Monguna ya Congolais. Le président est dans une mauvaise posture pour l'instant, pour apporter changement. Parce que ce n'est pas lui qui dirige le Congo, il y a quelqu'un d'autre. Ataba tutozo loba ke non, ba collaborateur mabe. Qui sait que ba collaborateur wana baza on le lui impose? Et parce que il faut azwa bango parce que ce sont les balouba qui supporteront bakoloba non to consolider pouvoir na biso na sans wana Tshisekedi aza la personne qui n'est pas indiquée. Bandeko ba question est belé eye lingai awa bozwa kotuna ngai sur président justice et tout ça. J'ai dit que le président est la personne le mieux indiquée. Azan a pouvoir nyonso. Mais
Sachez que l'homme, il est ailleurs, il est recruté par le Bing Oyo. Ezako Tchabiso. Ezako pour permettre le changement. Mais maintenant, le changement dont nous parlons ici, c'est quoi? Bandeko, changement Oyo Biso Tozo prône Awa, Eza changement Nini. C'est quel changement que nous prenons? Vous avez entendu vers la fin du discours du président de la République, il a parlé de 145 territoires, tout ça. Le principe est simple. C'est de restaurer, rétrocéder le pouvoir qui est à Kinshasa, Yakotindango, au légitimaire, au fils et filles de ce pays. Mais c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas vous réveiller aujourd'hui en pensant que quand vous allez construire un pont à Mangina et vous résolvez le problème de Mangina. Non. Je vous ai dit que Mboka na biso toza na besoin mbongo te. Nous n'avons pas besoin d'argent d'abord. L'argent peut tout faire au Congo. Non. L'argent, oui, va, nous avons besoin d'argent, mais tous en a besoin en bon côté comme nous les comme nous l'exprimons maintenant. Le président doit aller dans tout, partout dans le monde, aller chercher les investisseurs pour venir faire quoi? Et ça n'est pas qu'il y a une source qui est en train de se faire. Est-ce que vous avez vraiment en place aux Okende? Madoussou est belé qui tourne en est qui cause maïté. Là, toute l'argent, même si nous avons un budget de 100 milliards aujourd'hui, dans la configuration actuelle de notre pays, et que ça la moussala à mon côté. Même si nous avons 100 milliards ou bien des milliards d'argent, dans la configuration actuelle de notre pays aujourd'hui, et que ça la est là à mon côté. Je le répète et je le martèle encore. C'est pour cela, les réformes, afin de rétrocéder le pouvoir au souverain primaire, c'est ça la solution que nous avons, que nous avons besoin. Et le président peut initier, à quoi on peut s'aider là, Oana? Potoko Tanadez, dans la 4ème République, Oyo, ils ont organisé à partir de la base. Oyo, ils ont organisé à partir de la base, ils ont conscient à Kolobakeno. Ce pays nous appartient et nous avons l'obligation ya kobongisa mboka oyo. Mboka oyo eza na maboko na biso et nous sommes les premiers acteurs. Tant que Kinshasa ba ko comprendre te que non, la viabilité ya bato bazana bagira, ça ne dépend pas d'eux. Ça n'a plus de sens ya kozwa pouvoir. Yakoma. Biloko nyoso bazana ngokuna na yakoma. Eza neti yabangote. Il est grand temps de rétrocéder idée à Koloba. Bandeko. Kuna na ba territoire place Bozali. Bo yokana. Bo sala musala. Bo yeba nini yango bo kosala pona territoire na bino.
Et vous devez commencer par où? C'est par l'identification et le recensement. Moi, mi a la reconnu que aza moi, mi ko moi, tourna que unjo moi, unjo chef de clan wetu. Si ba intellectuel tunanja yo aseme kwa kufanya hii kitu inafaa si tunekala si bote pamoja. Bote watu ya Masisi bana yo aseme umu Masisi mnakuwa banande, mnakuwa ba, kama ba Banyabwisha, mnakuwa ba Barega, mnakuwa ba nani. Si watu yote ya Masisi benye tunayua bale ba notable betu tuneze ikala pamoja na tunasema ba vijana betu mukuye nyi bote si bote tukuye, voici ce que nous allons faire pour protéger notre pays. Nous allons nous identifier. Et chaque territoire, ba action wana tango ezo salema na kati ya ba territoire wana, tokoya ko branche yango na ba province. Nous n'avons que 26 provinces. Ba to baza na ville. Il y a moyen. Quelqu'un m'a dit que non, si quoi, banande, yo, bazana, Kinshasa, bazana, Lubumbashi, tokoza, kokonte, bangonde, nini. Non, c'est très simple, bandeko. C'est très simple, ça, problème, te. Et cela n'est pas le pas de tribalisme. Boyoki, ah, Patrick, a lobi, nini, a lobi, que non, n'attendez la bino, lissoussou, a lobi, plusieurs actes de nomination ont largement contribué à la promotion du népotisme et du tribalisme. Et Koboma Eloko, autant que le peuple va se reconnaître et les règles des jeux seront mises sur place, Otoko Beta Bino Bisonyo, Tozo Beta Jeu, Moko Tolobi, Keno, Toza Ko réunir Batunyo, surtout Tozo reconnaître, Moutouna Moutouayebi, que Moutoua Aza Congolais, Aza na besoin. Nous avons besoin de promouvoir ba mérite à méritocratie. Et cela ne peut pas se faire comme ça. Ça doit se faire quand les gens sont ensemble. Batubayebi, moi, miyazakuna, avant que décision ait été faut que moi, a contresigné en haut. Avant que Moutouba pèse qui tambouliche à cause de la Congolais. Combien de personnes peuvent attester que cette personne, c'est un Congolais? Et tout ça doit se faire au niveau de ba territoire, au niveau de ba groupement, au niveau même des secteurs. Lorsque les secteurs sont organisés, bande kobino konyo se koki okende bien. Et c'est là notre solution au tozo ko promouvoir awa. Tozo ko promouvoir solution à koloba. Tant que batunyo so bakozala ensemble té, les gens peuvent avoir des consensus na ba niveau local. Ba consensus se kokende na ba niveau provincial et ba consensus se okoma pe na niveau national. Le tribalisme, c'est quoi? Batubazo banga o tribu ba o makambwana ba tribu bandeko. Nous sommes en train de nous faire reculer inutilement. Oh, na France ba tribu. Non, nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en République démocratique du Congo. Tokomi na ndenge o tokenda déjà et koti sabiso eloko wana ya koloba, nous devons nous reconnaître et nous devons reconnaître cette histoire yak. Oyo aza Mungala mais aza Congolais, mais oyo aza Musingombe aza Congolais, oyo aza Mukusu aza Congolais. Et que Mungala tango aza pa na ye na Bungala kuna aza na droit ya koexercer pouvoir na ye na mabele na ye. Parce que ba tribu na biso ezana ba patrimoine na bango. Lorsqu'ils vont se sentir que ils sont le protecteur de leur terre, de leur patrimoine, je vous dis que ba consensus se kobanda kozwa ma très facilement. Personne ne peut venir aller parler au nom de Banande sans que le Banande ne le délègue. Le Banande doit déléguer des députés à l'Assemblée provinciale, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale. Et c'est pour cela que j'ai dit, identification au Ekosalema, mini le recensement qui se fera. Si on n'implique pas la base, c'est-à-dire les chefs de secteur, les administrateurs des territoires, originaux des territoires, c'est pour cela que j'ai dit, projet où il y a 145 territoires et à quoi investir dans les 145 territoires doit commencer d'abord, pas pomper l'argent dans les territoires, mais responsabiliser les gens.
En responsabilisant les gens, ce n'est pas que bon longo la batuna Kinshasa, bokende ko sali sa ba séminaire. Il faut demander aux gens, aux propriétaires de chaque terre, batuna batu, ba se regrouper d'abord. Que les banandes puissent s'entendre. Que les balouba puissent s'entendre. Tozana bana kamwenji, soki bana bana banani wana. Que tous ces gens-là puissent se, se regrouper, que nos forces n'abissent pas. Où est-ce que nous allons? Quelle est notre place dans la République démocratique du Congo? À ce moment-là, ils peuvent se dire que nous tous identifiés. Pour toi, il y a ok, na tribune, abiso, toza, par exemple, nous sommes à 2500. Ok. Nous comptabilisons les tribus. Et ça facile, Babilo, Kwana, et Yebani, cartographie, et Zali. Ce n'est pas à chercher au midi à 14h. Et ça a colloqué. C'est pour cela que nous nous disons. Nani, impulsion est au Kiko ou à Kinshasa. Mais la réalisation des choses doit se faire avec les mêmes personnes à la base. Donnons le pouvoir à la base, Batouana, Bazana, Nana, base. Va se prendre en charge. C'est ça ce que veut dire se prendre en charge. Maintenant, le gouvernement central cache Tshisekedi. Avec l'argent, Oezali, c'est dès lors que vous allez dire ok, après identification, après recensement, Batounion Sokuna, Basiba choisir, Basiba Yebi, Nani Angoza légitime nakati à territoire Nabiso. Batubasi ba yebi ke administrateur tokoluka administrateur parmi ba tribune abiso ba kolop toko les principes seront mis de base tokoloba c'est la méritocratie pour qu'il y ait président ya pour qu'il y ait administrateur de territoire soki toza quatre tribus les quatre tribus doivent s'entendre batuba pesi pesi banani ba curriculum na bango et Batouana, Batoubassali, si quoi, habite Mouton, ne Moutoza, Azo mérité. Na Katio, Ataza, Azana, Niaza, disons, Aza Moutou attribute, Akomon et la Bissoté. Les mécanismes vont être faits de façon, par exemple, que non. Mokonzioana, Aza, Mokonzi, tout puissante. Il faut toujours qu'il y ait des garde-fous, Yakoloba, que non. Même si Aza a tribu Moussousou, mais les autres tribus sont représentées dans Kati déjà à l'administration des territoires. Ça, je suis en train d'expliquer. Lorsque consensus, ce qui Babilo Kwane Komi Kosalema bien, dans Ndenge à territoire, ça pourra se faire au niveau des provinces et ça pourra se faire au niveau national. Et là, nous démarrerons. Ainsi, Mbongo Oeko Kende na territoire, dans la territoire, on va dire ok, Bandeko, voici équilibre Nabiso Awa. Batounine, qui sont qui? Il y a combien de chômeurs? Nakati attribue oh, combien de chômeurs Bazali ao? Oh. Totalité à chômeurs Zanani. Qui sont ces gens que nous devons encadrer pour tokope sa misala nakati à territoire Nabiso? Bat commerçant nakati à territoire Nabiso Baza Banani. Quels sont les opérateurs économiques dans notre territoire? Banani ango tokoko promouvoir. Nous faisons des millionnaires ici. Toko importer ba savon te parce que nous avons un de nous qui fabrique des savons et nous allons consommer ça ici. Voilà, j'ai expliqué en tout cas comment est-ce que nous pensons que ba makambwana koki ko salema. Et c'est dès lors qu'on peut penser maintenant à investir dans les territoires. Mais ce qu'on lobby que nous tokendo bongisa source moko bo tokendo sala eloko moko bo temporaire kuna eko simba te mbongo wana bino moko boko utanango bo utina batu na Kinshasa et vous négligez les gens qui sont là. La base ne vous aura ne servira à rien, ne prendront pas ça au sérieux. Mais si la base est impliquée, bah le baby que non, hôpital oyo, bisonde mutifoto tongango, bana ya yakoma par exemple, ne mutifo ba tonga ba école le pana bango. Au lieu de venir des maisons avec des maisons préfabriquées, bon, c'est comme si vous les amenez des omelettes déjà. Bah koye ba importance nango te. Biloko oyo po ba communauté ko ko tonga ba ko garder ango malamu. Regardez comment les églises ont passé des âges, les églises catholiques o ba tonga kana banani na ba intérieur du pays parce que c'était considéré comme eza place wana batu bakutanaka. Et ça a été toujours protégé. C'est ainsi que impulsion nande tozo luka et ça le mandengwana.
Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui en espérant que j'ai brossé quelque chose. Si j'ai un Weza Moulaï Bandeko, ma réponse pour nous expliquer l'idéologie au Weza Moulaï. Tu es belé tant on a bandé koloba que constitution eza mabe constitution mabe babandé ko sekangai mais aujourd'hui commence à me dire à me donner tort babandé koloba on a naza juriste était comment est-ce que je peux dire la constitution est mauvaise constitution à lelo eza ko permettre bisoté ba conférence ba état de lieu à ba territoire c'est par là que nous devons nous définir pour que to réécrire histoire à Sika, na constitution à Sika. Babilo kwa natangwe koya na province, ba ratifiango na province et qu'est-ce qu'on a niveau national avec des nouvelles animateurs ou ba outi penza na territoire parce que territoire koye ba bien que oh oyo toye bi azaza toza ko sala bilo kwa Sika. Ce qui te tient le sous ba tu amabe ba okende ko sala bilo kwa oto kuna mais lorsque nous envoyons batu tu accrédité bango à partir de ba territoire autant bazo que na niveau à province na kati na bango ba mi ponani ba lobi bomba ba tutel ndem tu ba okende na niveau national et la nouvelle classe politique ko kende kuna avec de nouveaux tests ça nous permettra d'écrire une nouvelle constitution o eko tango to ko promulguer ngo to ko e ko za okende na référendum e ko za la promulguer e ko tinda biso moyen nous aurons à résoudre les problèmes des élections nous aurons à résoudre les problèmes nyonso pour élire quelqu'un ça sera automatique et commandant sous causalité que notre makambo tozo sala lelo regardez depuis 2006 tozo bunda kaka pona likambo élection c'est parce que les bases ne sont pas bien posées ba élection awa tango be sale maka awa mobulu bi makate parce qu'ils ont déjà résolu ce problème là. Et c'est ça que nous disons que nous devons aller dans le fondamental pour que Mboka na biso et Kende Liboso. C'est dans le fondamental que nous devons commencer à résoudre ce pays. Voilà, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien et surtout bon week-end. Au revoir.